Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver. Je m'appelle Martine Gagnon et j'ai à cœur de vous parler de la loi de l'abondance. La loi de l'abondance est une loi formidable qui marche très très bien et je vous en parle aujourd'hui parce que beaucoup de clientes me demandent comment ça se fait que des fois elles ont un peu des difficultés. Alors dernièrement, une jeune femme vient me voir et puis elle me dit « Martine, j'ai du mal à faire des économies, l'argent me coule dans les mains, je n'arrive pas à garder de l'argent, comment ça se fait ?» Alors je lui demande tout simplement déjà la première des questions et je vous la pose aussi. Observez votre corps, comment il réagit suite à cette question. Et je lui pose la question « Est-ce que tu aimes l'argent ?» Et sa première réponse est de me dire spontanément « Non, 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 je n'aime pas l'argent. Je n'ai pas de problème avec l'argent, mais je n'aime pas l'argent parce que l'argent, c'est... Bon, j'en veux parce que c'est utile, mais voilà. » Et j'étais vraiment étonnée d'entendre cette réponse parce qu'elle me dit au départ, elle n'a pas de problème avec l'argent, mais quand on lui pose la question, elle me dit « Non, je n'aime pas l'argent. » Bien, vous savez que pour avoir de l'argent, il va falloir commencer à apprendre à l'aimer. Si vous n'aimez pas l'argent, l'argent ne va pas vous aimer non plus. L'univers, il est formidable, hein, il vous donne ce que vous avez envie. Et si dans votre inconscient, vous dites que vous n'aimez pas l'argent, eh bien ne soyez pas surpris de ne pas en avoir comme vous avez envie. Observez également votre corps à vous aussi, chez vous. Comment ça se passe quand vous imaginez que, comme je lui ai demandé à cette jeune femme, je lui ai demandé, imagine que tu arrives dans ta famille, et puis... Vous avez pas mal de personnes. Et puis, l'occasion se présente et le sujet est fait que, à un moment, vous dites, bien, moi actuellement, je suis riche et j'ai beaucoup de facilité avec l'argent et je suis riche. Eh bien, observez ce que ça fait chez vous quand vous dites, je suis riche. Est-ce que vous avez un moment de blocage? Est-ce que vous êtes joyeux? Est-ce qu'il y a un moment de recul? Comment ça se fait quand vous dites à quelqu'un, je suis riche? Parce que ça, c'est une vraie indication aussi. Est-ce que vous êtes d'accord pour avoir de l'argent ou pas? Parce que dans les familles, eh bien, bien souvent, il y a plusieurs canaux pour recevoir de l'argent. Et souvent dans les familles, eh bien, d'abord, il y a des croyances qui font que ça bloque, hein, ça bloque votre abondance. Si vous êtes peut-être partie des familles où il y a eu des faillites, des grosses difficultés liées relationnelles à cause de l'argent, de génération en génération, oui, c'est des croyances qui bloquent votre abondance, bien sûr. Il va falloir apprendre à les voir, à en prendre conscience et apprendre à les éliminer, ces croyances. Alors, observez dans votre famille comment s'est passé le canal de l'argent. Certaines familles, elles ont le canal avec des héritages. Elles ont souvent de l'argent avec des héritages, de génération en génération. D'autres familles, eh bien, le canal, ça va être le côté avec l'État, c'est-à-dire on est fonctionnaire de génération en génération. D'autres, ça va être le commerce, toujours avec, on gagne de l'argent toujours dans le commerce. Puis d'autres, ça peut être aussi avec des conjoints, parce qu'il y a des personnes, eh bien, leur abondance, ils l'ont fait. Par rapport à leur conjoint. Ensuite, eh bien, observez-vous si vraiment vous avez quelle gêne vous avez par rapport à l'argent. Qu'est-ce qui vous bloque? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui vous met mal à l'aise quand vous dites que vous avez de l'argent? Parce qu'il y a la loyauté familiale qui bloque souvent l'argent. C'est-à-dire, vous pouvez prendre une feuille de papier et noter, rédiger un petit courrier qui sera juste pour vous, hein, et de noter, parce que le simple fait d'écrire, bah, déjà, énergétiquement, est important, de noter eh bien, une lettre à vos parents ou à la loyauté familiale, en disant simplement, eh bien, je vous suis loyale, même si je pense différemment que vous, et aujourd'hui, je fais le choix de vivre dans l'abondance financière, en toute légitimité et en toute honnêteté. Et en faisant ce choix, je ne trahis personne. Et en faisant ce choix, je fais toujours partie de la famille. Voilà ce que vous pouvez écrire. Hein, écrivez-le. Voyez comment vous vous sentez avec ça. Parce que déjà, énergétiquement, c'est très important. Cette loyauté familiale. Vous ne trahissez personne. Et vous faites toujours partie de la famille. En faisant le choix, oui, d'être dans l'abondance de façon légitime et honnête. Et puis les deux dernières petites choses, eh bien, ça va être de répéter un mantra. Le mantra qui va être, eh bien, de jour en jour, j'ai de plus d'abondance et d'opportunités dans ma vie. De jour en jour, l'univers est de plus en plus généreux avec moi pour mon bien et le bien de tous. L'univers est de plus en plus généreux avec moi de jour en jour pour mon bien et le bien de tous. Et je m'ouvre à toutes les opportunités que m'offre la vie. Et je m'ouvre à toutes les opportunités que m'offre la vie. Choisissez les mots qui vous conviennent le mieux et répétez ce mantra régulièrement.
Et puis la dernière petite chose, eh bien tout simplement, ça va être le matin, autant que faire se peut, écrivez ce que vous avez envie comme si vous l'aviez déjà. Imaginez que vous aviez envie d'une maison ou appartement et que vous voulez vous lever sur un beau paysage, la campagne, la montagne. Eh bien, vous écrivez tout simplement « Aujourd'hui, j'ouvre mes volets dans cette petite maison où j'ai un paysage magnifique. Je me sens heureuse et enthousiaste. Je me sens heureuse et enthousiaste. Aujourd'hui, je prends ma voiture que j'avais envie depuis longtemps et aujourd'hui, je monte dans ma petite voiture où je suis vraiment joyeuse, enthousiasme et pleine de joie, quoi. Et écrivez ce que vous avez envie comme si vous l'aviez déjà, ce qui va permettre de monter en vibration et vous allez attirer ce que vous vibrez. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Vraiment, faites le maximum pour vibrer ce que vous avez envie parce que l'univers, c'est un aimant. Il vous donne ce que vous vibrez. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Peut-être que vous connaissiez déjà un peu tout ça. Mais sinon, eh bien, si vous connaissez tout ça, eh bien, peut-être il est nécessaire de partager la vidéo à des gens à qui ça ferait du bien. Si vous avez aimé, mettez-moi un pouce, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Et puis surtout, rappelez-vous, l'essentiel, c'est que vous êtes vraiment unique, d'une grande valeur et que vous méritez le meilleur. Et je ne partirai pas sans vous parler de ce petit tableau qui est derrière moi et qui est l'œuvre d'une amie qui a beaucoup de talent en peinture et qui donne des cours de peinture et qui vend ses tableaux. Alors, si quelqu'un avait envie de se mettre en contact avec elle pour différentes raisons en termes de peinture, eh bien, revenez vers moi et je vous donnerai ses coordonnées. Voilà, et puis surtout, rappelez-vous, hein, vous êtes unique, d'une grande valeur, vous méritez le meilleur. À très bientôt, au revoir. Thank you.